La CELALP a été créée en juillet 2002. Son premier objectif était de mettre une structure pour accueillir la liaison Annapolis Express et puis à terme de l'exploiter. C'est un très grand projet que nous avions depuis, j'allais dire, une trentaine d'années. La société POMA nous a proposé un appareil innovant qui nous a séduit. Très clairement, la demande de la clientèle au niveau du ski a changé dans le sens où les gens maintenant, enfin nos clients, les clients des stations de sport d'hiver souhaitent avoir un domaine, pas forcément un domaine immense, mais un domaine varié. Les deux domaines ski-up sont très différents, et justement par la multiplicité des différentes stations, hein, quasiment des 20 destinations qu'on trouve aussi bien sur les Arcs que la Plagne, ça permet d'offrir à la clientèle tout type de produits, puisque ça va aussi bien de la petite station village jusqu'au grand ensemble, on va dire moderne. Vanoise Express, c'est le résultat d'une réflexion importante qui a été menée chez POMA, qui a fait participer pas mal d'ingénieurs, de POMA en interne, du bureau d'études développement, des divisions, et puis aussi de filiales de POMA, comme POMA Italia, qui est assez spécialisée en téléphérique, et puis aussi d'autres compétences à l'intérieur du groupe, comme la CEMER. Et tout ça, c'est une collaboration de toutes ces parties qui a permis d'arriver au projet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il charge aujourd'hui, puis il nous pourra demain matin.